Le vrai cœur du métier, c'est d'être vraiment moteur sur les opérations qu'on suit. On est vraiment là pour faire avancer les choses, pour tirer les gens dans la bonne direction, pour les orienter, etc., pour trouver les bonnes solutions. Je m'appelle Rémi et je suis chargé de suivi de travaux chez OTE depuis 2018. De manière générale, j'aurais tendance à dire qu'on est là pour assurer et maîtriser les objectifs du projet en phase chantier. En tant que chargé de suivi de travaux, il y a effectivement deux aspects principaux dans ce métier. Pilotage, coordination, on en est plus sur la gestion du calendrier, la gestion des délais et l'organisation des différentes interfaces d'entreprise, etc., les contraintes du site. Et on a une partie vraiment suivi technique, où là on est vraiment le garant de la réalisation des aspects techniques sur chantier, de la conformité à la fois réglementaire, du respect des prescriptions qui ont été faites par nos responsables d'études, etc. On a vraiment cette partie contrôle qualité sur chantier qui est le deuxième aspect du métier. Ce projet du parc des expositions de Strasbourg est du coup un projet phare et emblématique et aussi à la fois extrêmement complexe d'un point de vue architectural et technique. On a tout un tas de contraintes techniques, thermiques notamment aussi, sur de la gestion géocolline, etc. Tout un enjeu architectural aussi à respecter, hein, parce que c'est vraiment une insertion urbaine assez complexe. Pour ce nouveau parc d'exposition, OTE assure la direction de travaux en complément de la mission classique de suivi technique. Dans ce métier, la chose la plus intéressante à mon sens, c'est vraiment la polyvalence et la diversité. C'est d'être amené à dialoguer avec différentes entités, avec un maître d'ouvrage, avec des architectes notamment, qui ont eux des objectifs. Et c'est vrai que par mon double cursus ingénieur-architecte, je suis plus à même de comprendre ces objectifs architecturaux, de les retranscrire vers les aspects techniques, de les contrôler sur chantier et aussi d'être avec eux le relais de cette qualité sur chantier. Une semaine de travail type, c'est d'abord beaucoup de contacts humains, de communication. C'est un peu une variation, c'est très vivant. Ça bouge beaucoup, on est là sur des passages, on est amené à aller sur site régulièrement, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez dynamique. Le cœur du métier finalement, c'est de trouver des solutions à des problèmes qu'on rencontre le plus rapidement, le plus efficacement et le plus juste possible à chaque fois.